Bonsoir. Traveling 2018 touche à sa fin, c'était une édition formidable et là, tout dernier événement, un gaming concert. Tu connaissais le ciné-concert, mais alors ça, tu t'y attendais pas. Hein. Je sais. On va voir ce que ça donne, on va demander un petit peu aux gens ce qu'ils en ont pensé. Et on se revoit après. Est-ce que tu peux me prononcer le nom du jeu vidéo qui a été joué ce soir? Another World. Waouh. L'accent est énorme. Donc, est-ce que tu avais déjà joué au jeu, toi? Eh ben ouais, je l'ai fait il y a quelques mois ou un an, je sais plus trop, avec un super pote. Ouais, joué au jeu. Est-ce que tu t'es un peu reconnu, du coup, dans cette expérience? Pas du tout, parce que du coup, ils ont réussi à le terminer, le jeu. Moi, j'avais le jeu quand j'avais 8 ans, c'était mon grand frère qui m'avait filé le jeu. C'est un Die and Retry, donc c'est un jeu qui demande de la patience. Quand t'es gamin et quand t'as 8 balais, ben, t'as pas forcément la patience de terminer un jeu aussi compliqué. Donc en plus d'avoir un très très bon concert, j'ai pu enfin voir, je pense, la fin du jeu que je n'ai pas terminé quand j'étais gamin. Donc d'où le plaisir, on va dire, plus ou moins. Est-ce que l'expérience a été bonne? Carrément, j'étais assez surpris. Ouais, ils se sont bien calés, j'ai trouvé ça plutôt impressionnant. Voilà, non, carrément. Pour moi qui ne suis pas une adepte des jeux vidéo, j'ai trouvé ça assez hypnotique, assez intéressant comme concept, ça m'a beaucoup plu. Musicalement, très bon. On oublie presque que c'est du live, c'est-à-dire que l'image suffit, on n'a pas besoin de voir physiquement les musiciens autour et pourtant, c'est eux qui font tout. Est-ce que toi, tu avais déjà été témoin de ce genre de choses? Pas ciné-concert, mais du coup gaming-concert. Je crois pas, j'en ai vu en vidéo, mais en live, je crois pas. Le fait que Traveling s'intéresse vraiment aux jeux vidéo, c'est, je trouve ça novateur, très clairement. Et le fait de prendre Totoro en plus, qui est un excellent groupe, pour travailler sur un jeu, un grand classique de jeux vidéo, c'est encore plus intéressant. Tu connaissais déjà Totoro du coup? Oui, évidemment. J'avais vu l'année dernière, pendant les Transmusica, je les connaissais via internet, tout ça. C'était mortel. Rythmiquement, déjà la structure de la vidéo en elle-même, les choix de montage, de la narration du jeu vidéo, donc j'ai trouvé ça super, vraiment. Et ensuite, la structure musicale par-dessus, ça collait parfait, quoi. Le fait de voir sur grand écran le jeu vidéo, tu t'es cassé le cul à terminer ce jeu-là dans le grenier de ton grand-père, avec la vieille console de ton grand-frère, le fait de voir le jeu se terminer, en plus avec un groupe que tu apprécies, automatiquement, le plaisir est décuplé. Est-ce que tu as un jeu en particulier que tu aimerais voir comme ça, en gaming concert? Il y a des jeux comme Shadow of the Colossus ou je sais pas, même des petits jeux de plateforme. Après, c'est l'ancien gamer gamin qui parle, c'est Spyro le Dragon, tous ces trucs-là. Il y a moyen, je pense. C'est la première fois que je vois ça en concert réellement. Je trouve l'expérience assez unique. Moi, j'ai un très beau souvenir d'un jeu sur. C'était Final Fantasy VII ou Final Fantasy IX, où là, c'est très japonisant avec beaucoup de combats. Beaucoup de mise en scène, un jeu comme Final Fantasy en concert, je pense que ça doit envoyer du gros. Ouais. J'avoue que les LucasArts là, c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué quoi. J'adore aussi Zelda, Final Fantasy VII, voilà, en gros quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, très bien. L'édition 2018 de Traveling est terminée. Ça s'est conclu en beauté avec un gaming concert formidable. C'était une putain d'idée, c'était génial. Merci à tout le monde d'avoir suivi les vidéos. Tenez-vous au courant avec ZR de tout ce qui se passe à Rennes. Et surtout, n'oubliez pas... Force honneur.